Bonjour les amis et bienvenue à votre émission préférée Vidéo Buzz. Bonne nouvelle pour Nyongoran Assalé Pierre, dit Peter 007. Autrefois cyber-activiste, très actif, avait été incarcéré en novembre 2022 des suites des propos faisant, je cite, « l'apologie des coups d'État », a rapporté l'Avenir Côte d'Ivoire. Ayant été mis en liberté provisoire depuis ce 9 octobre 2023, Peter 007 jouit aujourd'hui d'une liberté avec sa famille. Information relayée par son avocat Maître Dadji Rodrigue qui indique que son client profitera de cette occasion pour désormais participer à la sensibilisation de la jeunesse sur les dérivés liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Un grand merci a été prononcé par Peter 007 à ses proches à l'endroit du président de la République Alassane Ouattara. Je vais le récupérer officiellement, mon collègue Peter. Ce petit bandit. Voilà, merci infiniment au président de la République, au ministre de la Défense, à toutes les autorités pour leur indulgence et leur clémence. Je pense que Peter a bien compris la leçon en récent. Très bien. Ça va aller, allez, descend. De la libération de notre camarade, de notre frère, notre ami. Et donc nous avons fait ce que nous pouvons faire. Nous avons bataillé dur, nous avons assumé jusqu'à la dernière minute. Jamais nous avons abandonné, jamais nous avons été hypocrites vis-à-vis de lui. J'espère que de là où il vient, Dieu permettra son insertion très rapidement au niveau de la société et qu'il pourra rejoindre très rapidement ses enfants ici en Europe qui l'attendent impatiemment. On dit merci à toutes nos autorités, aux autorités de la Côte d'Ivoire, parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à leur clémence aussi, que notre frère, ami Peter, aujourd'hui a retrouvé sa liberté. Et quand on sort de certaines situations, c'est dans les épreuves, comme on le dit, qu'on voit véritablement ses meilleurs amis. Je pense que durant tout ce temps où Peter était là-bas, aujourd'hui il réalise que tous ceux ou celles avec qui il a mangé, tous ceux ou celles avec qui il parlait, tous ceux ou celles avec qui il pensait entretenir des relations fraternelles n'étaient pas véritablement ses frères. Merci et félicitations à un grand homme, Alassane Ouattara, pour son pardon. Merci à un grand homme, le ministre de la Défense, pour son pardon. Merci à l'appareil judiciaire, au ministre de la Justice, pour son pardon. Je vois plusieurs personnes qui n'ont pas encore compris ce qu'on appelle la prison. Oh, enfin, Peter 007 est libéré! Peter, lui, l'a compris. Hein. Vos djabou d'enfants mal élevés, il n'est plus dedans. Hein. Il a vu ce qu'on appelle la mort. Au stade où il est arrivé là, Peter est devenu désormais un pasteur sage. Il sortira pour prêcher le bon évangile du respect des autorités de la République. Peter ne peut plus jamais retourner dans la bouillabaisse. Vous savez, il y a des démons. C'est pas forcément au nom de Jésus. Il y a des démons là. C'est des jours en prison ou au violon. T'es libéré. On n'est pas là pour la haine. On est là pour célébrer. Même quel que soit celui que tu n'aimes pas, il sort de là. Il faut célébrer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu même dit, nul n'est parfait sur cette terre. On ne donne pas conseil. C'est conséquence qui conseille. Donc lui-même, là, Peter n'a pas besoin de conseil. Actuellement, là, il a besoin qu'on célèbre ça, la victoire. C'est tout. Des aigris, des hypocrites, mais donnez-lui conseil. Mon ami, faut quitter là. La joie de sa maman. Il a dit que Peter 007 a été libéré. Les gens ont tellement parlé. Peter 007 à Douf. Peter 007, on appelle ses nouvelles. Et le gars là, Douf, oh, ils l'ont sacrifié. Oh. Il est devenu l'holocauste des Ivoiriens. Oh. Comme nous aussi, on n'a pas de nouvelles. On relaie les vidéos. Donc, je suis tellement contente pour Peter. Donc, du coup, il y a des gens qui disent, comment faire pour revenir? Il n'y a pas de problème, tout va bien se passer. Là, on se pose beaucoup de questions. Au moins, Peter 007 a purgé sa peine. Et à partir d'aujourd'hui, il va plus se cacher pour aller en Côte d'Ivoire. Faut qu'on se dise la vérité. Il va aller dans son pays quand il veut. Il n'a même plus besoin de demander la permission à qui que ce soit. J'ai lu le communiqué de l'avocat. Moi, en tant que frère et ami, je suis content. Mais en tant que militant du parti d'opposition, je garde un regard encore sur les modalités de cette liberté et de savoir et puis la suite à tenir. J'ai vu qu'il sera le gendarme maintenant des réseaux sociaux. Il va faire une sensibilisation sur les réseaux sociaux pour dire que voilà, il faut pas dire ceci, il faut pas dire cela. Pour l'instant, pour l'heure, je prends acte de la libération qui est annoncée. Parce qu'il s'agit quand même d'une personne qui est proche de moi, c'est normal que je me prononce. Maintenant, après, des modalités de cette libération, parce que c'est une libération quand même, c'est une liberté provisoire. Je ne sais pas jusqu'à quand, je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé cela. Et on attend de voir la suite de cela. Mais on lui souhaite un bon retour auprès de sa famille. Une pensée spéciale à sa mère. Je suis heureux, j'estime que j'ai fait ma part. Les gars, ils ont libéré Peter. Peter a été libéré, voilà, il a été libéré. On a tous vu sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est propre. Nous sommes contents en tant que ses amis des réseaux sociaux. Voilà, nous sommes très, très contents.
Si on doit dire merci, on doit dire merci à son avocat. C'est lui qui a fait que Peter a pigé sa peine et puis il est sorti. C'est tout. Il n'y a pas merci, remerciement à quelqu'un. Les éloges gratuits, là, les éloges, on doit adorer les gens gratuitement. Là. Moi, ça ne me prend pas. Non. Quittons dans les émotions. On espère que la leçon a été retenue pour tous. Voilà, c'est tout pour Vidéo Buzz de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres dossiers.